imbere y'abarundi bose bo bene igihugu jewe petero peteromukuru w'igihugu cy'uburundi ndarahye ko nazo tirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi n'ibwirizwa shingiro rya repubulika y'uburundi c'est pas sur serment historique du vincent Que nous débutons cette nécrologie. fait Pierre Mulundiza, président de la République du Burundi, dont le décès est survenu le 8 juin 2020 à l'hôpital du cinquantenaire que tout de Kharoussi. Nous reviendrons également sur son parcours politique et sa personnalité. L'investiture du président Pierre Nkurunziza a marqué le début d'une nouvelle ère après plus de dix ans de guerre civile déclenchée par l'assassinat de Melchior Ndadaye, premier président démocratiquement élu au Burundi. Dès son accession au pouvoir en 2005, le peuple burundais a poussé un ouf de soulagement. Le président Pierre Nkurunziza a été accueilli en sauveur de la nation par le peuple burundais après une décennie de tueries qui ont endeuillé le Burundi. Il s'engagea alors à avancer sur la voie de la paix et de la réconciliation nationale après les divisions ethniques qui étaient enracinées dans les cœurs des Burundais. Mais qui est Pierre Nkurunziza et comment est-il arrivé à la magistrature suprême du Burundi Pierre Nkurunziza est né le 18 décembre 1964 dans la commune de Bouye, en province Ngozi, fils de sengabi Député élu en 1965 et tué en 1972 lors des massacres contre les Hutus et de Domitile et Minani, il fit ses études primaires à Bouillé avant de continuer l'école secondaire à l'Athénée de gitega où il obtint son diplôme des humanités générales. Il va poursuivre ses études universitaires à l'Université du Burundi au sein de la Faculté d'éducation physique et sport. Il entreprend sa carrière professionnelle dans l'enseignement secondaire, d'abord au lycée de Moulinvia, puis à l'Institut d'éducation physique et sport de l'Université du Burundi, où grâce à ses performances, il est nommé professeur assistant. En 1994, il prend pour épouse Madame Denise Ebouchumi, avec laquelle il a eu cinq enfants. Suite à l'assassinat du premier président démocratiquement élu Melchior Ndadaye, la guerre civile éclate en 1994. Après avoir échappé de justesse à l'assassinat par une bande armée, Pierre Moulouda rejoint les combattants de la rébellion du Conseil national pour la défense de la démocratie, Force pour la défense de la démocratie. Grâce à son courage et à sa détermination, il ne tardait pas à accéder aux plus hautes responsabilités au sein de son mouvement, jusqu'à en devenir le leader carcimatique. Il est surnommé Mouhouda pour son attachement à la cohésion sociale et à la résolution pacifique des conflits. C'est lui qui conduit sa délégation aux négociations d'OP en Afrique du Sud et en Tanzanie les négociations aboutiront à un accord global de cesser le feu en 2003 avec le gouvernement de transition de l'époque mettant ainsi fin un à une longue guerre civile. À son retour du maquis, avec des milliers de combattants qui furent intégrés au sein des nouveaux corps de défense et de sécurité, Pierre Ngurundziza est nommé ministre d'État chargé de la bonne gouvernance. En 2005, il est choisi par son parti, le CNDDFD, pour le représenter à la présidentielle. Il fut élu à la magistrature suprême par un collège électoral du Parlement. Épris d'un esprit rassembleur et pacifiste, Pierre Ngurundziza a engagé des pourparlers de paix avec les forces nationales de libération FNL, dernière rébellion en activité dans certaines localités du pays, surtout dans la province de Bujumbura. Cet ancien accord de cessez-le-feu fut signé à Dar Salam en Tanzanie. En 2010, Pierre Nkurunziza est réélu cette fois-ci au suffrage universel direct avec une victoire écrasante. Le nouveau chef de l'État va axer sa politique sur la réconciliation nationale, la relance économique et la stabilité politique. En 2015, Pierre Nkurunziza est désigné candidat à l'élection présidentielle par le parti des DFDD, une candidature qui a été contestée par certains Burundais. La période des préélectorales de 2015 aura donc été marquée par des mouvements insurrectionnels pour contester ce nouveau mandat de Pierre Nkurunziza que la Cour constitutionnelle avait pourtant déclaré légal. Le 13 mai 2015, alors qu'il était en mission en Tanzanie, une clique de Burundais instrumentalisée par Certaines puissances étrangères et liées à ces mouvements insurrectionnels a voulu accéder au pouvoir par un coup d'État qui a été avorté grâce à la bravoure des forces loyalistes. Malgré toutes ces tempêtes, Murundi rentre au pays, un retour triomphal qui sera gravé dans les annales de l'histoire. Il rétablit l'ordre et la stabilité dans le pays. Le déroulement des élections de 2015 a été salué par l'ensemble de la communauté nationale et internationale, et dont la présidentielle a été largement remportée par Pierre Nkurunziza, signe de reconnaissance du peuple burundais pour son courage et son patriotisme. Sous la présidence de Pierre Nkurunziza, beaucoup de rapports que le peuple burundais qualifiait de mensongers et de résolutions contre le Burundi ont été produits. Parmi ces résolutions, le déploiement des troupes étrangères sur le sol burundais, dont la Maprobou. Au nom de la souveraineté nationale, le président Moulundida, soutenu par la population, s'oppose à cette décision qu'il a qualifiée d'ingérence étrangère. Le gouvernement de Pierre Moulundida n'a pas seulement rejeté ses rapports et résolutions, il a aussi pris la décision de se retirer de la Cour pénale internationale CPI après avoir constaté que cette juridiction internationale est instrumentalisée par les grandes puissances. Plus tard, d'autres pays lui ont emboîté le pas et se sont désengagés de la CPI. Les partenaires traditionnels du Burundi ont alors décidé de suspendre leur programme de coopération avec le Burundi, en l'occurrence la suspension des appuis financiers. Et face à cette décision injuste, Pierre Nkurunziza n'a pas été bouleversé. Il a plutôt encouragé la population burundaise à apprendre à voler de ses propres ailes, ce qu'il a concrétisé par la bonne gestion de la chose publique. Ainsi, les recettes fiscales du pays ont connu un bond, de telle sorte que le Burundi arrive financer à hauteur de presque 90% son budget annuel. Grâce à cet esprit patriotique, le Burundi a organisé les élections référendaires de 2018 et les élections générales de 2020 sans compter sur les aides extérieures. Brave et courageux, Pierre Nkurunziza a été attaché à la souveraineté du pays, à l'indépendance et à la sécurité, raison pour laquelle même les agressions extérieures ont été vite maîtrisées. 2018 a été une année spéciale parce que le Burundi s'est doté d'une nouvelle constitution par voie référendaire. Après les cérémonies de promulgation et de présentation de cette nouvelle constitution, Pierre Nkurunziza, épris de démocratie, a annoncé qu'il ne se représenterait pas aux élections de 2020, même si cette nouvelle loi fondamentale ne l'en empêchait pas. Une décision qui a surpris certains Burundais et une partie de la communauté internationale. Au chapitre des fonctions qu'il a occupées au sein de son parti. Le de DFDD, pierre des dfDD a dirigé son parti depuis le maquis jusqu'en 2005 deux ans après pierre Ngunoudida a été désigné par son parti pour être à la tête du conseil des sages en 2018 grâce à ses idées innovantes, Pierre Gurindza a été élevé au rang de guide et visionnaire du parti SNDDFDD. en janvier 2020. Pierre Gurindza a joint la parole à l'acte lors du congrès du parti DFDD qui s'est tenu à Itaba dans la province de Gitega. Il a laissé son parti choisir un autre candidat à l'élection présidentielle. À l'issue de ce congrès, le secrétaire général du Evaris Evariste Ndaijimbié, a été choisi pour représenter le parti à la présidentielle du 20 mai dernier. Comme il en avait fait la promesse, le président Pierre Ngurundi a soutenu Evariste Shimie, surnommé Samuragua, c'est-à-dire l'héritier. Pendant la campagne électorale. Au cours des meetings, Pierre Mourundida a appelé les militants du FDD à voter massivement pour Evariste Ndayishimiye. Il a justifié cet appel en déclarant que le général-major Evariste Ndayishimiye est un homme qu'il connaît très bien depuis l'époque de la lutte armée pour la restauration de la démocratie, qu'il a toujours fait preuve de fidélité et qu'il a toujours rempli avec zèle les missions lui confiées. Pour Evariste Ndayishimiye, son prédécesseur Pierre Nkurunziza a déjà posé les jalons du développement et donc pour lui le terrain est déjà préparé. Après trois semaines de campagne électorale, les Burundais se sont rendus aux urnes le 20 mai dernier et ont répondu à l'appel de Pierre Nkurunziza et ont placé leur confiance en Evariste Ndayishimiye. Pierre Nkurunziza vient de rendre son âme après la proclamation définitive et des résultats des élections par la Cour constitutionnelle reconnaissant la victoire du général-major Evariste Ndayishimiye. Au chapitre des réalisations mémorables de feu Pierre Nkurunziza, feu président Pierre Nkurunziza s'est distingué par des réalisations qui resteront gravées dans la mémoire des Burundais, s'étant un, un modèle dans l'amour de la patrie, sa politique d'unité et de réconciliation nationale, il l'a concrétisée par la mise en place des mécanismes et de de réconciliation et de cohabitation pacifique, dont la CVR et la CNTB, pour la recherche de la vérité sur tous les maux. Qui ont secoué le pays. Depuis 2012, il a initié la journée de la commune, célébrée le premier samedi du mois d'août. Cette fête permet aux natifs, dans leur diversité, de discuter sur les projets de développement de leur entité, dans tous ses aspects, pour une véritable indépendance du pays. Il a toujours tenu des réunions de sensibilisation des natifs de province sur leur rôle dans le développement de leurs entités administratives. Il ne cessait de répéter que le développement, c'est la compétition. La solidarité était aussi dans ses priorités. Pour redynamiser l'entrée des mutuelles qui a toujours caractérisé les Burundais, Pierre Ngurunziza a institué la Journée nationale de la solidarité locale pour permettre à ceux qui ont la volonté et les moyens d'assister les personnes les plus nécessiteuses. Mais guidé d'un esprit charitable, le président Ngurunziza n'attendait pas ces journées de solidarité pour agir. Il a toujours apporté de l'aide aux démunis et vulnérables comme les orphelins et les personnes âgées. Pour renforcer les relations sociales, Pierre Ngurundida a revalorisé la pratique traditionnelle d'échange de dons. D'une part, la population lui offrait des dons de bétail et de vivres en guise de reconnaissance pour ses bonnes œuvres, et d'autre part, lui aussi faisait des dons, à l'instar d'un père de famille. Pierre Nkurunziza était un président reconnaissant. C'est dans cette optique qu'à l'occasion des fêtes du travail et de l'indépendance nationale, il avait l'habitude d'opprimer et de décorer les citoyens qui se démarquaient dans la réalisation de leur travail. Conformément à sa vision d'être proche de la population et étant un grand communicateur, Pierre Nkurunziza a initié une émission publique animée en direct pour donner l'occasion à la presse et à la population de lui poser les questions en rapport avec tous les aspects de la vie nationale. Guidé par un esprit patriotique, Pierre Nkurunziza a mené régulièrement des séances de moralisation de la société à l'endroit de différentes composantes de la population. Il les invitait chaque fois à privilégier dans toutes les circonstances l'intérêt supérieur de la nation. Tenant compte de toutes ces réalisations, le peuple burundi a élevé Pierre Nkurunziza au rang de guide suprême et du patriotisme. Préoccupé par la paix dans le pays, Pierre Mouloudita a initié depuis 2007 le flambeau de la paix, une inspiration qu'il a tirée de la civilisation grecque. Le périple du flambeau de la paix dans les provinces et du pays s'accompagne de travaux communautaires et distribution des matériaux de construction. Il a régulièrement tenu des réunions avec les représentants des corps de défense et de sécurité, de l'administration et de la justice pour s'inquérir de la situation sécuritaire et donner les consignes à suivre pour sauvegarder la quiétude de la population. Sous la présidence de Pierre Nkurunziza, le Burundi est devenu un acteur très important au niveau international dans les activités de maintien de la paix. C'est dans cette optique que le pays a déployé des troupes en Somalie, en République centrafricaine, en Côte d'Ivoire, au Soudan et ailleurs. Président populaire, proche de son peuple et progressiste, Pierre Nkurunziza avait une grande vision sur le développement. Il a initié les travaux communautaires exécutés tous les samedis. C'est ainsi que beaucoup d'infrastructures sociales et économiques ont été érigées ici et là dans le pays. On citerait notamment les écoles, les routes, les centres de santé et hôpitaux, les stades, les marchés modernes, les bureaux administratifs, le nouveau palais présidentiel et autres. Dans le secteur de l'éducation, Pierre Ngurundiza a instauré la gratuité de la scolarisation fondamentale. Soucieux du bien-être de la population en général et des femmes et des enfants en particulier, Pierre Ngurundida a instauré la gratuité des soins de santé pour les enfants de moins de 5 ans et de l'accouchement. L'action du président Pierre Nkurunziza a été aussi remarquable, même en dehors des frontières du Burundi. Réalisant que Pierre Nkurunziza a réussi à ramener la paix et la confiance entre les Burundais et la participation du Burundi aux missions de maintien de la paix, l'Association internationale des casques bleus a décoré le président Nkurunziza du cordon bleu, dignité de grand croix commémorative de la paix au siège de l'UNESCO à Paris. Il a été ainsi élevé au grade de commandant du soldat de la paix. Une autre récompense au président Pierre Ngurundida lui a été donnée par le Forum Transmontana Montana au Maroc pour son engagement en faveur de la liberté, la démocratie et la dignité de l'être humain. Enfin, le président Grundida a reçu de la part d'une organisation indienne le prix dénommé Rising Star of Africa Award ou Prix étoile montante de l'Afrique pour avoir été un modèle pour l'Afrique en matière de paix et de développement. Au chapitre des occupations préférées du président Murundida, on aura remarqué que Pierre Ngurundzita était un agri-éleveur moderne. Il pratiquait l'agriculture et l'élevage dans ses complexes agropasteurs de Routanga en commune Gashikanwa, et sur la colline Ngondo en commune Nyarusange et ailleurs. Il le faisait avec toute sa famille pour contribuer à l'augmentation de la production, mais aussi pour créer de l'emploi, inspirer les intellectuels à pratiquer l'agriculture et l'élevage. Sportif, Pierre Ngurundiza était un passionné des activités sportives. Il jouait au sein de son équipe de football, Alléluia FC, et c'est lui qui a créé l'académie Le Messager. Inspiré par sa formation académique, il a initié la construction de nombreux stades dans le pays et il a porté régulièrement son soutien aux activités sportives. On retiendra également que Pierre Ngurundiza était un chrétien fervent, un homme croyant. Il aimait la prière, la lecture et l'enseignement de la parole de Dieu. Il a d'ailleurs influencé que Dieu et sa place est dans la constitution du Burundi. Ainsi, selon la constitution, le chef de l'État prêtait serment d'abord devant Dieu, puis devant le peuple détenteur de la souveraineté nationale. Il manifestait cette croyance en Dieu dans différentes occasions. À la fin de chaque année du mandat en cours, le président organisait une prière d'action de grâce à laquelle il conviait les différents leaders et la population. C'était des occasions d'enseigner la parole de Dieu et surtout faire des témoignages souverains. Sur les bienfaits de l'Éternel en faveur du pays et de lui rendre grâce. Son parti, le séné dont il dirigeait le conseil des sages, affirmait avoir placé Dieu au premier rang. Et le dernier jeudi de chaque mois, le parti organisait une prière d'action de grâce. Et des fois, le président de la République, Pierre Nkurunziza, y participait. Reconnaissant envers le Tout-Puissant, Nkurunziza et sa famille avaient l'habitude d'organiser une prière pour rendre grâce à Dieu pour avoir veillé sur la famille. Présidentielle et le Burundi au cours de l'année. C'était chaque fois des moments de prière, de prêcher la parole de Dieu, de suivre des témoignages et louer le Seigneur à travers des cantiques. Rappelons que le président Pierre Nkurunziza n'oubliait jamais d'implorer les bénédictions du Tout-Puissant sur le Burundi en tenant le drapeau national en main. À marge de ces prières d'action de grâce, le chef de l'État animait des séances d'enseignement à l'endroit des leaders et des jeunes, aux leaders, et leur apprenait comment se comporter en tant que responsable. Pierre Mourundiza se préoccupait du bien-être de la jeunesse. À l'occasion des conférences nationales des jeunes, qu'il avait d'ailleurs initiées, ou des séminaires qu'il animait, Mourundiza leur disait comment se préparer un meilleur avenir. La clé de la réussite, disait-il, se trouve dans le respect des parents, l'amour de la patrie, l'obéissance à Dieu, la vision et l'amour du travail. Et et pour aider la jeunesse à réussir dans la vie, Pierre Mourundida a initié la création d'une banque d'investissement pour les jeunes dont les activités ont déjà été lancées. Fait président Pierre Mourundida laisse derrière lui un pays stable sur le plan politique, prospère sur le plan économique, avec des perspectives d'avenir les plus optimistes. Les Burundais se souviendront de lui comme le champion de l'autodéveloppement, de la démocratie véritable, de la paix et de la sécurité. Marié et père de cinq enfants, il quittait son monde à l'âge de 55 ans. Feu, président Pierre Ngouloudida, restera gravé à jamais dans les cœurs des Burundais. Le pays tout entier lui rend hommage. Que son âme repose en paix.